Ah, ça nous emmène direct où ce qu'on était rendu. Ah, c'est bien ça. Bonne feature ça. Ben, étant donné que c'est un port de la version mobile, ça a du sens aussi qu'il y ait des genres d'autosave. La pire situation, on n'a jamais été dedans. Ah, possiblement. Ah, je suis tellement content que mes 5 balles ont survécu au crash. L'autre qui est dehors. Oh, débarque de dessous moi. Garnet est plus là. Blank est déjà cherché à l'extérieur. T'as qu'à chercher à l'extérieur, toi. Ok. Finalement, open exploration, puis cette fois-là, la progression commence. Donc, j'avais le Mage Masher d'équipé. Ouais, hein, ce qui est rendu à l'apprendre. On peut voir les items des ennemis. Oh, c'est pratique ça. Fait que ça, on va commencer à avoir des combats où que les ennemis vont donner de l'expérience pis tout ça, puis on va voir que le skip fonctionne. Je vois même donner la peine d'en triggerer un, ok? Le skip sauve pas mal du temps. On tombe tout de suite genre en mode comme ça. Fait qu'on skip la caméra du début, ce qui est bien. Get away. J'avais l'écran des post-game dans ce jeu-là. Il est rapide, efficace. On va profiter, je vais essayer de faire un steal sur un ennemi. Je sais qu'ils ont des items. Puis on va faire un détect, voir qu'est-ce qu'ils ont aussi. Voilà, Phoenix Down. Ouh, ça vaut cher ça en partant. Potion suzidane. On vole une potion aussi, ben tombe bien. On récupère la potion qu'on vient de dépenser. Et voilà. C'est un bon combat, ça. Et déjà proche d'un autre level. High drop, nice. Ce qui est pas pire avec le fait qu'on a trouvé le Mage Masher, c'est que le Mage Masher, il a pas mal plus d'attaques. Comme si on compare l'attaque du Mage Masher au Dagger. Deux d'attaque, puis ça booste l'attaque vraiment fort. Fait que je sais pas si dans cette Final Fantasy-là, maintenant que les dégâts sont calculés, sont basés comme un multiplicateur, parce qu'on se souvient dans Final Fantasy 4, à chaque tiers de 8 points dans une stat, disons en force, on gagne un multiplicateur pour les attaques. Ça, c'est une limitation dans le temps de la version de Super NES parce que, tu sais, le CPU était capable de computer jusqu'à un certain point. Et ça faisait comment, genre que c'était plus simple de juste mettre un multiplicateur qui augmente après chaque tiers. Pendant que là, je pense que c'est divisé directement. Mais 2 points d'attaque de plus, ça paraît. On va faire une petite comparaison, ok? Juste pour le fun. Moi, je faisais des coups de 80. Ouais, comment je fais avec une dague ordinaire? Knife. 46, on fait le double des dégâts à peu près. C'est quand même pas mal pour 2 points de différence. Fait que je vais remettre la dague. Ou le Mage Masher. On voit que je suis en train de... Ben, je suis tout simplement d'expliquer le système des skills là-dedans. C'est comparativement aux autres Final Fantasy que les jobs... d'habitude, on a un job level ou comment on apprend des skills à mesure qu'on level up. Dans ce jeu-là, la manière qu'on apprend les skills, c'est les pièces d'équipement qui nous donnent... les habiletés qu'on peut apprendre. Comme là, présentement, le Letter Shirt me donne Protect Girls. Fleagill avec le wrist.
Le Ladderhead pourrait me donner Fire, mais il est pas capable d'utiliser des spells, donc il peut pas la prendre, mais il peut l'équiper pareil. Puis le Mage Masher donne Detect et Flee. Bon, on voit qu'il y a une barre quand même qui est marquée comme 2 sur 40, 3 sur 40. C'est carrément que à chaque fin de combat, on gagne des points d'habilité, puis les points d'habilité vont charger le skill. Tant au son temps qu'on a des pièces d'équipement d'équiper avec ces pièces d'équipement là sur notre personnage, ils peuvent utiliser l'habilité. Mais une fois que l'habilité est maxée, c'est là qu'on a l'habilité permanente. Et après qu'on ait l'habilité permanente, on vient dans le menu habilité ici. Et on peut activer désactiver les habilités. Comme là, si présentement, vu que j'ai ma pièce d'équipement, Protect Girls va être actif pareil. Mais si une fois que je l'ai appris et que j'ai plus la pièce d'équipement, il faut que je mette une gemme dedans pour la rendre active. J'ai l'habilité pareil, mais il faut juste que je la rende active. Donc c'est une bonne méthode, c'est vraiment le fun comme système. Et la seule affaire que ça fait, c'est qu'il faut tout le temps checker pour le type d'habilité qu'une pièce d'équipement a. Puis il faut quand même la garder un bout, histoire de pouvoir apprendre ce qu'on veut. Hey, dans le trouble! Qu'est-ce que c'est ça? Oh, Steiner là! Alors, j'ai la princesse tout de suite! Ouais, comme ça, on va vraiment t'écouter. Come on! Trance dans Final Fantasy IX, c'est comme un limit break, sauf que au lieu d'être une attaque, c'est un état de plus. C'est quoi cette lumière là? Je sais pas. Ça augmente ma puissance apparemment. Est-ce que ça pourrait être une transe? J'ai entendu parler de ça. Trance, c'est fiché par une augmentation des émotions. Let's go! Fait qu'en gros, à mesure qu'on mange des dégâts, la barre monte, puis quand elle est rendue maxée, on rentre en transe qui augmente notre puissance et qui change nos habiletés. Comme là, j'ai deux habiletés. Free Energy puis Tidal Flame. On va utiliser Free Energy. Qui fait des dégâts monstrueux. Puis qui a consommé une partie de ma barre aussi. Ça consomme mes MP ça en plus de faire ça. Des objets que normalement Zidane n'aurait même pas. Donc c'est quand même pratique de l'avoir. Et il sauve. Parce que tu sais, les ennemis ça sauve. Apparemment. Princesse! Princesse! Oh boy. Hein, qu'est-ce que c'est ça? Où c'est qu'il est parti? Il est parti. J'ai trop peur pour casser des spells. Ce monstre-là va probablement la manger. Comment j'ai pu laisser faire ça? Inquiète-toi pas, elle est pas encore morte. La particularité de Trance, par exemple, c'est que contrairement au Limit Break, disons dans Final Fantasy VII ou dans Final Fantasy VIII, c'est pas quelque chose qu'on trigger. C'est dès qu'on l'a, c'est actif, puis on le perd à la fin d'un combat. Ce qui est bien, puis qui est mauvais en même temps, parce que c'est bien d'avoir un combat contre un boss, parce qu'on peut triggeré puis ça peut nous sauver le cul. Le défaut c'est que on peut juste comme le triggerer dans un combat au hasard et carrément le perdre la charge qu'on a au complet. Sauf que ça nous rend vraiment fort. Mais encore une fois, c'est que c'est automatique, ce qui est un peu plate. Peut-être pas tard, elle est pas encore morte. Puis je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que sinon tout le monde ferait juste garder charger leur transe puis quand arrive un boss ils se mettent tout en transe puis ils vont juste rentrer dans le boss là. Le monstre-là, c'était juste un minion. Il va sûrement l'apporter à son maître. Ça veut dire la princesse peut-être encore. Yeah! Il faut qu'on le trouve tout de suite. Wow! Il y en a un grand nombre, cette fois-là. Laisse-moi aller! Sauve-moi! Ouais, Vivi! Défends-toi! Fire! Ouh! La magie semble efficace. Peut-être qu'il y a HP. C'est pas grave. Au besoin, on va les healer.
particularité, c'est ça que je disais pour les potions, les affaires de main, je pense que je l'avais pas mentionné, mais hors combat, les potions puis les objets de récupération sont moins efficaces. Donc, carrément, si on essaie d'utiliser une potion hors combat, elle nous redonne genre 100 HP, pendant que si on l'utilise en combat, 650. Fait que c'est en fait plus utile, les items deviennent plus utiles en combat comparativement dans les autres. Ça vaut quand même la peine de s'en servir hors combat, mais c'est juste qu'ils sont pas mal plus efficaces en combat. Allez, une broadsword, nice. Non, bébé, il faut pas que tu crèves. Prochain tour, je m'en vais là, il est. S'il y en a un prochain tour. Apparemment, oui. Let's rest. Hold fire, on va tirer une potion sur Vivi, ok. Apparemment, c'était assez pour le tuer. Parce que Vivi, bien sûr, c'est un Black Mage, fait qu'au moins, il est capable de se défendre. L'expérience, mais 3 AP. C'est bien ça. Phoenix Down, puis High Drop. 436 gills. Bien ça. Phew! Merci. Est-ce que t'es correct? Oh, ouais! Je pense. Wow! Princesse. Vous autres, les gars, vous êtes chanceux. C'était pas Zidane, vous seriez tous les deux morts. Il y a une couple de monstres dans la forêt qui se reproduisent en plantant des graines dans les autres animaux. Et quand les graines poussent, ben, c'est hasta la vista, tu niais genre un paquet de viande. Est-ce que je vais mourir? Non, tu vas être correct. Hein, tant qu'à boire ça, ça va enlever toutes les graines dans ton corps. Princesse, je m'en viens tout de suite. Tasse-toi. Ça l'a l'air de toi, vas-y. La princesse est en danger. Est-ce que vous attendez de l'abandonner? T'es pas en aucune condition. Que t'as beau pour la princesse, le boss va penser à quelque chose. Hey! Stop! Pose-toi, puis prends la médecine que je t'ai donnée. Hein? Maudit! Je peux pas juste rester ici. La vie de la princesse reste entre mes mains. Qu'est-ce que leur boss peut vraiment faire? La médecine-là. Ça sent vraiment mauvais. La couleur. C'est définitivement du poison. Ah. Je suis plus capable de le prendre. Aidez-moi. Hey! Coûte pas mauvais. Puis ça. Les monstres qui naissent du miss sont partout. Ah, puis quoi? Y'a rien d'autre. Rien à l'extérieur qu'on peut pas s'occuper. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va faire à part des blessés? On va les apporter avec nous autres. Comment on va tous les transporter? Hey, fais-moi confiance. On sort tout de suite. On est tous morts. Et mes gars viennent avant la princesse, tu sais. C'est vraiment dommage. Restez seul jusqu'à temps que tout le monde est récupéré. Et même pas de mettre un pied en dehors du vaisseau. Tu comprends ça? Je ne peux pas croire que tu l'abandonnes. T'es juste un esti de trouillard. Ou un gros trouillard. Ok. Pas nécessairement un esti de trouillard, mais... Time to escape. Ça, c'est en mauvaise condition. Peut-être que je peux me sauver en rentrant dans un mur. Ah. Le feu, laissez-moi sortir!
Je me sens encore pas bien. Quoi ça? Ça me semble poupée vraiment laide. Princesse Garnett, âge 15. Comment il ose mettre le nom de la princesse cette poupée-là? En plus, la princesse, après 15 ans, elle a 16. Princesse. Girl who was left behind. Ah. Tu sais, tout le monde est parti. Qu'est-ce que je pose de faire à cette heure? Ah, Ruby, c'est comme pogné en arrière. Mon petit Ruby. My little baby. Ça devrait être ici de quelque part. Hein? Maudit. Où c'est qui est? Qu'est-ce qui est arrivé à ma poupée de Garnett? Man, comment je vais faire pour dormir à soir? Oh, petite poupée. Le feu, le problème à ma poignée. T'as le mogul qui tarde de le regarder, genre, c'est foiré à la tête, genre. Hein? Ok. Oh. Donnez au mâchoire un petit peu de médecine. Il va être correct. Ça va pas le voir, je pense qu'il veut dire merci. Ouais, mais avant, il y a un coffre, ça. Rest. Un autre rest, en fait. T-shirt, Curry Thunder. Ouais, mais. Ça rien de l'équipe. Il me donne plus un en défense, mais. Rien d'autre. Bon, on va aller voir Vivi, ouais. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Ah, un autre coffre. Un netter. Oh. Merci de m'avoir aidé. Ah, mentionne-le pas. Après tout, c'est ta machine noire qui a sauvé la journée. Hein, qui nous a sauvés. Tu sais, t'as vraiment beaucoup de power pour un petit gars de même. Pas le problème. Est-ce que t'as dans maudit contre moi parce que je t'ai appelé. Je t'ai appelé petit. Hein! T'es un grand mage avec des grands pouvoirs, ok? On s'en fout des apparences. C'est ce qui t'a à l'intérieur qui compte. Je suis désolé. Si ce monstre l'a attrapé, j'ai pas pu rien faire. Inquiète pas à propos de la princesse. Je vais aller la chercher, je te promets. Merci, monsieur Zidane. Wow, c'est la première fois que quelqu'un m'appelle monsieur. Fait que t'as rien qu'à m'appeler Zidane, ok? Ok, Zidane. Non. Ah, il était vraiment. Vraiment déprimé. Peut-être que j'aurais pas dû faire cette promesse-là. Je sais même pas si je vais être capable de la trouver. T'es vraiment cute. Encore. C'est peut-être juste penser à ça parce qu'elle est une princesse. Non, elle était définitivement cute. Non, je peux pas arrêter de penser à propos d'elle. Je devrais faire. Allez voir pour elle. Ah, qu'est-ce qu'il y a à penser, non? Elle est cute, pis dans le trouble. C'est tout ce qui est important. Ah, t'as voulu. Pourquoi t'as l'air tellement sérieux? Ah, ok. Qu'est-ce que tu t'es en train de préparer, toi, là? Aller chercher le chevalier puis le Black Mage pour aller trouver la princesse. T'es fou, man! Tu sais même pas qu'est-ce qui est en dehors. Après tout, il n'y a aucune manière que le boss va laisser passer ça. Je sais. Tu te fous de tout être joué l'héros. Le boss va essayer de te tuer. Qu'est-ce que t'attends? On va parler au boss. Ouais. On va parler au boss. Ah, il est pas là. Quelque chose ici, non? Peut-être qu'il y avait un coffre caché quelque part. Oups. Ah, lui. Une plante qui attaque le monde. J'imagine que c'est peut-être pour ça qu'il l'appelle
La forêt du mal, pas. Il appelle ça la forêt du mal, pas pour rien. On a enfermé le vieux chevalier dans le storage pour les instruments. Fait du bruit de temps en temps, mais il a pas été si pire que ça. Hein? T'as entendu ça? Quelqu'un est en train de brailler. Quelque chose est en train de brailler. Je vais mourir ici. Oh! Upper Helm! Qu'est-ce qui fait envie ça? Ah, je peux pas le porter. Ok. Même un casque en rubber, tu sais, faut le faire. Ah! Achou! Ça a pris quand même pas mal de temps. Je me suis endormi, maudit. Tu t'en vas, hein? Ouais. Première garnette que j'allais kidnapper. Je t'ai pas demandé pourquoi. Je peux pas te blâmer, par exemple, mais quand même assez cute. Je pense que c'était une assez bonne raison. Bon, ben, j'espère que t'es prêt. Je pense que je vais être sacré de voler pour avoir brisé les règles. Ah ouais. Ah, viens-t'en au cargo, on va avoir plus de place là. Ok, je suis full en HP, c'est bien. T'es prêt? N'importe quand. Ah, je me retiens pas cette fois-là. Règle bizarre pareil, hein? Oh, c'est des items à voler, ouais. Oh, 40! Pas le noir potion. Coup de 30. Pas sur rien volé. Amène-toi! Il m'a manqué. Ça n'a rien volé, ça veut dire qu'il y a encore un autre item qu'on va y prendre. Ah ben, on va l'avoir. Apparemment, il est en train de se magader lui-même, fait que c'est mon affaire. Yaha! 36. J'ai réussi à rien voler. Yarg! Pas une Iron Sword, c'est ce que je voulais. Ah, il est temps. Je pense que c'est pas grave. Ah non, apparemment c'est grave. Ok. Je pensais pas qu'il pouvait nous tuer, je pense qu'il est... Ça allait juste nous sortir pour nous dire, ah ben, fin de compte... On va le faire te sauver. Je vais peut-être utiliser une potion avant d'être trop bas, cette fois-là. Je pensais pas qu'elle allait nous éliminer, je pensais que ça allait juste nous sortir de la scène et nous dire « Bon ben, regarde, t'es pas prêt à sortir. Hein. » Je pense que ça vaut la peine, là. Bon, Iron Sword. Voyons son autre item après. On va devoir déballer. On va réussir à rien voler. High potion. Je pense que c'est tout ce qu'il y avait. Donc on commence à l'attaquer. Ça chatouille. On a notre potion de suite. Ça va être assez facile, je pense, deux ou trois coups, puis il va
toi à terre. C'est pas supposé être un combat difficile. Ah bah tu battes mieux que ça. Lui aussi apparemment. Eh ouais, trois coups ça laisse pour le mettre à terre. Ah ok, tu gagnes. Qu'est-ce qui est supposé être un cochon avec une barbe ou quelque chose même? Ah ben maudit. Bravo. Pas trop ta princesse. Oh. Ah ça, ça fait mal. Il a retenu ses coups jusqu'au dernier. Non ben. Bravo Zidane. De barrer la porte du storage, fait que t'es prêt pour, pour aller parler au chevalier. Non, c'est bien ça. Come on, t'es trop vieux pour jouer avec des poupées. Silence. Un moi, rien comme toi, il pourrait jamais comprendre. Je suis justement inquiet pour la princesse. Si vous l'aviez pas kidnappé, c'est toute votre faute. Si quelque chose qui arrive à la princesse, je vais avoir ta tête. Ah, prends ça coup, come on. Allez voir, je vais aller la chercher comme là. Je vais aller la chercher là. Laissez venir avec moi si tu promets d'être correct. Qu'est-ce que tu dis, paquet de rouille? Paquet de rouille, je suis Adelbert Steiner, capitaine des chevaliers de Pluto, puis je vais jamais travailler avec des voleurs. Capitaine, je pensais que t'étais privé avec cette armure-là tout rouillée. Regarde, ça n'a rien à faire avec le Tantalus, c'est comme ça que je décide de faire par moi-même. Je veux juste sauver Garnet. T'es mieux de pas être en train de mentir. Parce que c'est ça que tu fais, je n'hésiterai pas à te tuer. Ah ouais, je compte sur toi, le paquet de rouille. Imagine pas d'affaires, je m'en vais juste avec toi pour sauver la princesse. Je vais m'occuper de toi après. Ah, n'importe quoi. Pas difficile peut-être juste avec nous deux. On devrait peut-être demander à Maître Vivi de nous aider aussi. Pourquoi il s'appelle Maître? Imbécile, c'est un mage noir avec des pouvoirs imaginables. Inimaginables. Je veux pas l'impliquer, mais on a vraiment pas le choix. On a besoin du pouvoir de Maître Vivi pour sauver la princesse. Ok, on va aller parler à Vivi. Mais avant ça, on va rentrer dans ta petite salle parce qu'il y a un coffre dans le coin et t'es pas curieux comme moi. Honnêteur. On va voir. J'avais ramassé une coupe d'épée. J'ai ramassé ça. Peace Killer. Puis Iron Sword and Minus Strike. Là, les affaires Killer que j'ai 7, ce qui est bien, c'est que ça augmente les dégâts contre des types d'ennemis. Je vais les mettre tout de suite parce que ça va être pratique. Qu'est-ce qu'elle a? Je vais attendre, mais que j'ai ce qu'il faut. Je vais équiper la Iron Sword à la place qui donne quand même plus 4 au lieu de plus 2 comparativement à la dague de Zidane. Le Minus Strike est une habilité, puis l'habilité là, je me souviens bien, fait que quand on attaque avec, elle fait des dégâts comparativement à la différence entre le maximum HP et le HP qu'on a présentement. C'est quand même efficace quand on est quasiment critique. T'as dû dire que t'as battu le boss. T'es quand même quelque chose. Je sais pas pourquoi le boss riait tellement après. T'as dû le faire, c'est trop fort. Bon ben, viens, on s'en va chercher la princesse. Vraiment, c'est bien. Faites attention, ok? En fait, on voudrait que tu viennes avec nous autres. Ouais, mais je peux pas y faire. C'est pas vrai, Maître Vivi. Ta magie est très effective contre ces monstres-là. En grande honnêteté, je garde ton pouvoir en meilleure estime que celle-là du voleur. Ouais, mais j'ai peur. Je pouvais même pas bouger la dernière fois. S'il vous plaît, Maître Vivi. Pour la princesse Garnet et toute Alexandria, je demande humblement ton assistance.
Comment t'es un Black Mage? Quand même. Montre-nous ce que t'as. Ok, on va y aller. Ok. Je vais essayer de mon mieux. Merci, Maître Vivi. Maître Vivi, ouais. À propos de ta magie noire, je voudrais essayer une expérience. Je me demande si, Magic Sword. Ouais, je peux bien essayer. Ce qu'ils discutent en fait, c'est une habilité pour Steiner. On peut voir qu'il y a Sword Art puis il y a Sword Magic. Comment Steiner, si Vivi est dans le team, il peut utiliser Sword Magic et comment? Il consomme les CMP, mais c'est Vivi qui va caster disons, un spell sur son épée pour faire une attaque. Donc c'est comment des attaques élémentales physiques. Ce qui est quand même puissant. Surtout que Steiner est le type de personnage qui va varger comme un troc. Fait que. Ça va être bon de l'avoir là puis de pouvoir utiliser cette habilité-là. Comme là, si on y voit ses habilités justement. Il devrait avoir Fire Sword. Ou peut-être pas. On a des pages d'habilité. Ok, ça c'est les habilités passives, ouais. Là, je me trompe pas, Vivi peut équiper. Il prend présentement Fire avec deux pièces d'équipement, mais je pense que je peux y mettre. Lizard avec Little Wrist. Silk Shirt pour apprendre Thunder. Fait qu'il y a tous les éléments de base avec ça. Ce qui est quand même très bien. Fait qu'il va être capable d'utiliser Blizzard, Thunder puis Fire. On va en haut, hein. On va aller au boss, ouais, s'il est là. Il ferait du mal, ils sont pas une marge dans le parc, là. T'as mis de garder des yeux ouverts. Construit pour trouver la princesse. Ah, voilà. Pas vraiment maudit. Je pense que c'était juste comme pour nous dire, ah, ouais, c'était capable de moins de le défendre. Puis effectivement,